Elle a changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve que ces derniers temps, elle a changé. Elle a grandi. Non, ce n'est pas ça. Ça? Elle n'arrête pas de piquer au monde? Non, du visage. Vous avez pas remarqué? Elle a encore ses fossettes. Fossettes? Oui, ses fossettes. Elle avait des fossettes. Quand elle sourit, oui, elle avait toujours des fossettes, là. Quand elle rit? C'était très mignon. Elle les a toujours, ses fossettes? J'en suis pas sûr. Mais tu trouves que son visage a changé? D'ailleurs, je me demande bien quand est-ce qu'elle a ri pour la dernière fois. Quand vous avez acheté le chat? Il y a 2 ans de ça. La semaine dernière, au centre commercial, quand le chariot élévateur a descendu la planète agrume au parking souterrain. C'était pas un rire. C'était plutôt comme un piaillement. En fait, je crois que c'est ça. Quoi? Son visage s'est plutôt endurci. Il a pris une expression plus dure. C'est ça. Comme l'expression d'un endurcissement intérieur. Je ne sais pas. Vous n'avez pas l'air de vous en faire. Nous en faire? Peut-être qu'elle n'avait aucune raison de rire, après tout. C'est pas un peu naïf de votre part? On ne pensait pas... De pas vous en faire comme ça! Vous ne pensez pas que c'était si grave? En fin de compte, c'est plutôt un petit changement. Un endurcissement intérieur? Oui. T'appelles ça un petit changement? Ouais. Que votre fille s'endurcisse intérieurement? Rien qui faille signaler, en tout cas. Qu'on se disait... Naïf! Vous êtes quand même inquiet? Un peu, forcément. Sinon, vous n'auriez pas commencé à en parler. Vous êtes inquiet! Parents peuvent l'être quand leurs enfants grandissent. Mais c'est ça que je veux dire, par naïf! Vous vivez sur quelle planète? Hier, le soleil était si bas que toutes les cheminées de l'hôpital projetaient leurs ombres jusqu'à nos places de parking. Au supermarché, toutes les conserves de pêche ont été échangées et toutes les stations de métro ont été désinfectées. Vous minimisez ça, apparemment. Apparemment, vous êtes en train de vous retrouver dans une situation dont vous n'êtes pas capable de prévoir les conséquences. Votre insouciance est dangereuse! J'ai vu une gamine de 12 ans qui donnait à manger aux pigeons devant l'église. Mais ça n'a rien à voir. Il y a pas de 11 ans qui cherchait la monnaie ou bien dans les cassiers de la piscine. C'est possible, ce sont des choses qui arrivent. J'ai vu une gamine de 10 ans qui a tendu un élastique entre deux poteaux d'un barrage routier. Mais... J'ai vu une gamine de 8 ans qui a enterré sa poupée dans le bac à sable. Ce sont des cas très différents. Mais vous vouliez attendre jusqu'à quand avant de faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut y faire? J'ai vu un gamin de 9 ans au milieu d'un rond-point qui enfonçait un pieu. Je l'ai senti. Moi aussi. Je l'ai nettement senti. Quand elle est entrée dans la chambre, j'ai ressenti quelque chose de très fort. J'ai déjà ressenti quelque chose quand elle a posé sa main sur la poignée dehors. La poignée est devenue chaude. Le contact de sa main. D'abord de l'extérieur, mais le métal a conduit la chaleur vers l'intérieur. J'ai ressenti quelque chose de fort. Moi aussi. Avant même que je la voie. Moi, je l'ai ressenti. Ça venait de l'intérieur, de tout au fond. Comme un tremblement de terre qui s'annonce. Mais pas désagréable. Comme une tempête qui se lève. Je n'ai pas dit que c'était désagréable. Je crois que nous l'avons tous ressenti. Moi pas, honnêtement. C'était très fort. Au début, j'ai cru que j'allais vomir. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de pareil. Mais c'était évident que c'était là. Et que ça venait d'elle, mais pas désagréable. Et comment fait-elle ça? C'est tout à fait inexplicable. Et c'est là. Nous tous avons ressenti. C'était un sentiment très fort. C'était comme une vague qui nous avait tous happés. De l'intérieur, du fond des entrailles. Chacun l'a ressenti dans son propre corps. Mais ce qu'on a ressenti, c'était collectif. Un sentiment qui nous débordait, qui a fait de nous une communauté. Cette expérience nous a soudés. Et on s'est senti fort. Mais je me suis senti faible aussi. Vulnérable. Au début, au commencement, oui. Mais après, c'était comme une vague. Une vague puissante. Ça nous a tous happés. À ce moment-là, on aurait été capable de tout. Ça nous a soudés. Et on s'est senti fort. On aurait pu rassembler un arbre ensemble. On aurait soulevé un bus et on renversé. Courir dans la rue et casser la gueule à quelqu'un. Le cogner ensemble, au rythme, sans dire un mot. Inspirez.
Emmanuel, sinon je ne vois pas d'où ça aurait pu provenir. Elle est entrée dans la chambre et c'était là. Elle nous a même pas regardé. C'était pas la peine. Elle a regardé le tapis. Elle a regardé la poupée borgne dans sa main. Elle a regardé le tapis. Là où il y avait la tache. Le liquide. Qui est sec depuis longtemps maintenant. On ne voit plus rien. Comme si elle savait. Comme si elle n'était entrée que pour ça. Comme si elle avait su. Comme si elle voyait la tache. La tache qui n'est plus là maintenant. Comme si c'était encore là. Comme si elle était au courant. Comme si elle l'avait vue avec nous. Comme si elle savait tout. On aurait pu la tuer. Elle était plantée là. Chaussette blanche jusqu'au genou. Et dans l'une de ses mains, la poupée pendante. Qui n'a qu'un œil. La tête en bas comme un arrosoir vide. Des boutons. La poupée a des boutons pour faire les yeux. Et il y en a un qui s'est défait. Un fil s'est défait. Un bouton s'est défait. Et maintenant, une pendouille a un fil. Et elle regarde le tapis. Elle regarde la poupée. Elle regarde le tapis là où il y avait la tache avant. Et la poupée aussi regarde le tapis. Avec son œil. Le bouton qui pend au bout du fil, il regarde le tapis lui aussi. Et derrière elle, il y a les fenêtres, avec toute cette lumière. Et quelle est cette chose ? Dans les vents qui vient de la terrasse. Mais pas désagréable. Et maintenant, comme elle est debout et que ses cheveux deviennent transparents avec toute cette lumière. Et maintenant, la pièce devient toute rouge. Coucher de soleil. Il y a une ombre sur la moquette. La pièce ressemble maintenant à une cabine de bateau avec des parois en bois, couleur acajou. Elle est là, très calme. Ce qui se dégage là, ce n'est pas le calme. Au contraire. On l'a tous ressenti. Des particules se détachent d'elle à toute vitesse. J'ai rien ressenti. Ou quelque chose comme ça. Elle est une source. La source intense de je ne sais pas quoi. Peut-être qu'un jour, il y aura des caméras pour enregistrer ses fréquences. Alors on verra qu'elle dégage un orage de particules. Ce genre de caméra n'existe pas encore, mais nous l'avons senti. Nous l'avons tous ressenti. À moi. J'ai rien senti. Quand j'ai vu la tache pour la première fois, je crois que j'étais l'un des premiers qui l'a remarqué d'ailleurs. À l'époque, on savait pas encore. Alors, je me suis baissé. J'ai fait glisser ma main sur le tapis. Comment on fait, quoi? C'est passé la main frotter le bout des doigts. Puis sentir. La tache était d'une petite vermicelle, huileuse, sans odeur. Quelques jours après ce premier contact avec l'eau, avec le liquide, j'ai des poils qui ont commencé à me pousser dans la paume de la main. Au début, ça grattait juste un peu. Après, il y a un duvet fin qui est apparu. Blond, presque transparent. Et en l'espace de quelques jours, toute ma paume s'est retrouvée couverte d'un pelage dru et noir. Pas comme sur les jambes ou le torse, hein. Plutôt comme un chat. Les premiers poils, les arrachés à la pensée grillée. Il y en avait de plus en plus. Et les poils sombres avaient les racines les plus profondes et plus tenaces. L'opération devenait chaque matin plus longue, plus douloureuse. Et ça saignait de plus en plus. J'ai fini par prendre l'habitude de me racler la main avec le rasoir. Des fois j'oublie. J'ai autre chose à faire. Alors quand je dis bonjour aux gens, je vois la panique sur le visage. Mais en douce, on s'essuie la main sur le pantalon. Par la fenêtre, quand elle versait du lait par terre. Tout doucement, elle se tenait devant le frigidaire ouvert, avec les orteils qui baignent dans le blanc. Je ne crois pas que c'était elle pour le lait. Nous ne savons pas non plus si c'était du lait. Il se pourrait même que ce soit une substance non organique, mais qui aurait été stockée pendant un bon bout de temps dans une matière organique. Par exemple, dans un fût de chêne. Ou alors dans un estomac. Moi, aucune idée de ce que c'est.
C'est où l'endroit? Ici. Je peux? Je vous en prie. Depuis quand c'est comme ça déjà? Hier. Est-ce que vous avez continué à séjourner dans la pièce? On a pris le strict nécessaire et on n'a plus remis les pieds dans la pièce. Vous avez bien fait. Vous ne pouvez prendre aucun risque. De l'humidité qui viendrait du plafond, c'est exclu. Oui, et à où il y a les chambres? Un jour, tu es revenu dans la pièce. Moi? Oui, tu es revenu. Non. Vous êtes revenu dans la pièce? Je ne me rappelle pas. À cause du chat. À cause d'un animal? Vous êtes... Il a sauté sur la poignée. Je m'en souviens. En train de fermer la clé. 2 minutes, peut-être? Bon, jusqu'à nouvel ordre, la chambre est condamnée. Vous avez des enfants? Pourquoi demandez-vous? Vous avez des enfants! Une fille. Entre 8 et 12 ans, je suppose! 10 ans, comment savez-vous? Ça concorde! Concorde? C'est tout de même pas que votre fille ait quelque chose à voir avec ça! Ça peut être aussi une simple coïncidence, quoi? Dans l'état actuel des choses, je ne veux pas faire de spéculation. C'est une gamine, tout ce qu'il y a de plus normal? C'est bien ce que nous supposons. Mais qu'est-ce qu'on pourrait? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Personne ne sait. Nous ne savons même pas ce que c'est. Je trouve ça très inquiétant ce que vous dites là. Nous vivons sous le même toit qu'elle, après tout. Mais encore heureuse, c'est votre fille. Ne changez rien à vos habitudes de tous les jours. Rien, ça pourrait la troubler. Même si ça n'en a pas l'air, votre fille a sans doute beaucoup plus besoin à vous que d'habitude. Chez ma fille, ça a commencé quand elle a eu 8 ans. 8 ans, c'est très jeune! Vous trouvez? Mon fils avait 10 ans. En 10 ans, c'est normal. J'ai eu 10 ans, c'est la moyenne. Mais 8 ans, c'est dans la norme? Les filles sont plus avancées que les garçons. Vous croyez? Je ne suis pas du tout convaincue que chez ma fille, ça se soit déjà déclaré. Comment? Vous n'êtes pas convaincue? Mais qu'est-ce que vous faites là alors? Quand ça se déclare, ça, vous vous en rendez compte? Je ne voulais pas prendre de risque. Mais vous êtes perdre de temps! Mais vous voyez, mais tout ça, ce sont des gens qui ont besoin d'aide! J'ai peut-être besoin d'aide, moi aussi! T'es pas trop quand vous en serez sûr? Mais alors il sera peut-être déjà trop tard! Il se peut chez votre fille, ça ne se déclare jamais! Il y a des enfants qui traversent cette phase quand on est à second. Certains parents ont de la chance. L'enfant tombe gravement malade avant, et comme ça, pendant la phase critique, il est cloué au lit. C'est comme des poissons quand c'est la polio. Et ben, ça ne veut pas faire de vélo, hein. Chez mon fils, ça a démarré quand il a commencé l'entraînement. Je ne sais pas s'il y a là un lien de cause à effet. Bah moi, j'ai entendu dire que l'entraînement avait une influence positive. C'est fait pour ça, non? Mais il n'y a aucun rapport de cause à effet, hein. Ma fille, l'entraînement lui a fait beaucoup de bien. Mais il y a des enfants chez qui ça se déclare malgré l'entraînement. Quand il est particulièrement intensif. Chez ma fille, c'est très intensif. On songe même à un implant. Un implant? Mais c'est très contestable. À l'étranger, ils ont de bons résultats, mais c'est pas du tout autorisé. Chez nous, c'est pas du tout autorisé. Il faudrait donc partir à l'étranger, alors? Vous le feriez? Pour mon enfant? Oui. J'ai vu que cela avait un impact sur le développement de la personnalité. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas autorisé, il y a de bonnes raisons pour cela. Honnêtement, je me demande si nous ne devrions pas le signaler. Mais qu'est-ce que vous voulez signaler? Est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation de signaler la chose au service d'information? J'ai juste dit qu'on y réfléchissait. Moi aussi, je pense que l'entraînement suffit amplement. Monsieur, mon fils, ça s'est déclaré malgré l'entraînement. Un implant, ma fille... Mais c'est une enfant quand même! Récemment, ça m'a bouleversée. On était dans la forêt à chercher des champignons. Le sol était encore humide. Il suffisait de déblayer les aiguilles et on pouvait ramasser les champignons avec un couteau. Mon mari et moi étions occupés à couper les champignons avec un canif sans parler dans la lumière dorée. Et là, nous voyons un père avec ses 3 enfants qui font une halte après la chasse. Un garçon, peut-être 11 ans, et 2 filles, des jumelles, 9 ans peut-être. Ils sont assis par terre devant le chemin de terre. Et à côté d'eux, sur une bâche, ceux qu'ils ont chassé. Plusieurs poules, un grand chien jaune et un veau.
et chacun des enfants porte un couteau de chasse plein de sang au côté. Et ils sont assis là, ils rient, boivent du vin, et à côté d'eux, ils ont disposé leur fusil en faisceau. Un fusil de chasse tyrolien, un fusil caucasien, un fusil de chasse Perth et Hanson, et un fusil pour la chasse à l'élan. Quatre armes sans grande sûreté, à la portée de main des enfants qui ont tous une sacoche à fond bourrée de cartouches attachées à leur ceinture. Et le père tourne même le dos à l'une des filles tandis qu'il boit la bouteille à grands traits. J'en ai eu les larmes aux yeux. Alors j'ai demandé à mon mari, quand avons-nous pour la dernière fois été aussi négligents avec notre fille en pique-nique? Alors mon mari réfléchit et dit, en fait jamais, jamais négligent. Rien qu'au petit déjeuner, un couteau à beurre et j'ai des sueurs froides. Comment le père sait-il qu'aucun de ses enfants ne va lui tirer dans le dos? Quelle famille heureuse et saine pour qu'il aille avec eux dans les hautes herbes, tous avec des armes de grande sûreté en V, sans craindre que les gosses le cernent et lui dégomment tous ensemble la tête du corps, ou qu'il mitraille les cuisses et le laisse vider de son sang. Non. Si tout est en main, et le père montre maintenant à son fils comment, avec le couteau de chasse, on dépèce le chien jaune. Et il n'a pas peur que le fils lui plante le couteau dans l'abdomen. Bon, alors ça, je me sens mal. Nous décampons. Nous reprenons sans un mot notre nappe à carreaux avec les champignons. Nous rentrons à la maison. Nous sentons vieux. Le vieillard va se lever. Pourquoi nous et pas lui? Pourquoi nous? Attirer son attention sur nous. Il ne faut pas réveiller un chien qui dort. Sans doute, mais c'est elle même pas ce qui se passe en elle. Mais ça doit être angoissant pour un enfant. Exactement. Elle est seule avec elle-même. Elle n'ose pas nous demander. Sans doute qu'elle ne se doute même pas que quelque chose se passe en elle. C'est pour ça qu'il faut qu'on lui parle. Non, c'est justement pour ça qu'il ne faut pas lui parler. Nous ne ferions que lui donner des idées. Et après, il ne faudrait pas s'étonner si la nuit, la porte d'entrée reste entrebâillée. Et c'est sur le parking, les lumières des cafés basent verticalement, elles se mettent à clignoter et envoyer des signaux en morse indéchiffrables sur l'asphalte. Ce qui rend les mythes folles, elles savent plus si elles sont attirées ou non. Nous aurions toujours à leur reprocher d'avoir déclenché cela parce que nous n'avons pas été capables de la fermer. Ça, c'est le moindre mal. C'est une enfant et elle est seule. Bon, qui va lui parler? Attends. Est-ce qu'on ne devrait pas tous lui parler? Nous n'avons pas encore décidé. Tous? Ça ne doit pas lui faire peur? Pourquoi elle nous connaît? Toutes celles au milieu d'une nuée d'adultes qui ont des yeux injectés de sang. Nous n'avons pas les yeux injectés de sang. Elle va se mettre à paniquer. Il faut s'attendre à des réactions imprévisibles. Mais nous serions supérieurs en nombre. Nous n'avons pas encore décidé si... Si nous voulons la mettre en confiance, il faut que ce soit une conversation entre quatre yeux. Avec un seul adulte? Évidemment. Avec deux adultes, on se trompe. Avec six yeux. Injectés de sang. C'est pas risqué? Bien sûr que c'est risqué. Mais nous n'avons pas le choix. À moins que tu aies une autre idée qui ne soit pas risquée. Alors, qui va lui parler? Allez, quoi, ce n'est qu'une gosse. Tu n'as qu'à y aller, toi. Moi, elle ne me connaît pas très bien. C'est peut-être un avantage. Là, tout de suite. Elle me connaît très bien. Elle peut pas me sentir. Et comment tu sais ça? Je crois qu'elle t'aime bien, au contraire. Toutes les tables étaient occupées. Il n'y avait qu'une seule place libre à côté de moi. Bah, elle a préféré s'asseoir avec son plateau sur le rebord de la fenêtre. Elle a vu que la place était libre? Ça, je sais pas. Tu ne lui as pas dit, la place est libre? Moi? Il n'a pas le droit, tu sais bien.
Je crois qu'elle a bien vu que la place était libre, mais qu'elle a préféré s'asseoir sur le rebord de fenêtre exigu plutôt qu'à côté de moi. C'est pas la peine de se vexer. Je suis pas vexé, dis ça comme ça. Et puis ça ne veut rien dire, peut-être qu'elle s'est assise là, parce que de là où elle était, elle t'avait bien à l'œil. Pour t'avoir bien à l'œil. Pour m'appuyer. Pour voir mes faiblesses. Pour détecter où elle pouvait m'atteindre. Pour s'apercevoir que je sais pas me servir d'un couteau d'une fourchette. Tu sais très bien ce que je veux dire. Quoi, c'est que quoi? Bon, qui va lui parler? Lucas, vous n'êtes pas obligé que ce soit lui. On en a d'autres. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas se servir d'un couteau avec une fourchette. Mais qui va lui parler? Est-ce qu'il y a un volontaire pour aller lui parler? Qui veut bien parler avec elle? Sommes-nous vraiment obligés de lui parler? Je croyais qu'on avait dû régler la question. Bah alors on vote! Est-ce qu'on ne devrait pas décider rationnellement qui d'entre nous est le plus apte? Je croyais qu'on avait déjà essayé. Dans un coin, le vent a amassé une poignée de plumes. Il y a un reste de duvet accroché sur les murs. Certaines plumes ont du sang séché à leur base. Pour ma part, je pense que ça devrait plutôt être une femme. Une femme? Et pourquoi justement une femme? Et pas un homme? Je crois qu'elle aurait plus confiance en une femme. Un homme aurait plus d'autorité. Mais il s'agit de confiance, et pas d'autorité. Je ne trouve pas. Et après tout, pourquoi il aurait plus confiance en une femme? Et pourquoi un homme aurait plus d'autorité? On vote! Mais la femme, elle attend pas que lui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Mais alors, les choses sont claires! Je trouve aussi, s'il faut choisir entre elle et lui, les choses sont claires. Exactement, donc la question est réglée. Comment ça? Évidemment, ce sera lui parler avec elle. C'est vrai qu'elle ne peut évidemment pas aller lui parler. Mais pourquoi je pourrais pas aller lui parler? Bien sûr qu'elle pourrait lui parler. Elle saurait même très bien lui parler. Il y a 2 ans, elle a assommé un gamin qui était en train de nager avec une rame. Et elle a sauvé la brigade. Ha 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 ha. Évidemment, elle n'est pas dépourvue de qualité, mais bon, si on a le choix... Ça, elle ne m'arrive pas à la cheville. L'année dernière, il a garé un car scolaire plein à craquer sur la voie du train à grande vitesse, et il a stoppé le train. Ha 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 ha. J'ai rien contre elle, hein. Bon, c'est quand même lui qui avait donné la aussi. Comment il a fait pour stopper le train? Avec un seau rempli de poissons. Ha 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 ha. Il a dirigé une muette contre le pare-brise de la locomotive. C'est pour ça qu'il a besoin des poissons. Et ça a déclenché le frein de secours. Ha 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 ha. Le train s'est arrêté quelques mètres du casse-tête. Par un gosse a été blessé. Paquet.
y avait dans le paquet ? Peut-être que personne ne lui a donné. Peut-être qu'il était à elle. À elle ? Mais ce n'est qu'une enfant ! Mais oui ! Là, nous avons affaire à une toute autre dimension. Peut-être n'y a-t-il aucune organisation centrale. Peut-être que tout est divisé en cellules décentralisées. Peut-être qu'aucune action n'est décidée de manière autoritaire, mais que chaque cellule agit de façon souple et s'adapte de façon autonome à la dynamique du conflit. Il fait complètement nuit juste avant 10h du soir. Sur le parking, on a placé à intervalles réguliers de grands poteaux avec des projecteurs pour que les gens n'aient pas cherché trop longtemps leur clé de voiture. Elle a fichu le paquet dans l'une des poubelles accrochées au poteau. Elle est obligée de se dresser sur la pointe des pieds tout en regardant bien tranquillement dans la caméra, placée plus en hauteur, qui clignote tout doucement. Je les ai rencontrés, on le reconnaît facilement, son visage. On ne voit pas de fossette. Elle ne sourit pas. Elle ne rit pas. Peut-être qu'elle regarde le ciel qui est sans nuages et sans étoiles. Elle retire sa main de la poubelle et disparaît dans les buissons. Putain de stocker. Quand on regarde l'enregistrement aujourd'hui, avec un peu plus de recul, c'est plus évident que c'est vraiment elle. Même le paquet, on ne le voit pas très nettement. Peut-être que ce n'est même pas un paquet. Même la poubelle. On prend bobine. Ah, une demi-heure avant, il n'y avait pas de poubelle. Qui l'a installée là en si peu de temps? Peut-être que ce n'est pas une poubelle, mais un homme appelé pour le lampadaire. Oui, maintenant on dirait un homme, adossé au poteau, la tête rentrée dans les épaules et qui attend. Qui l'attend? Si tant est que ce soit elle. Elle n'a pas du tout l'air d'une fille. Non. Maintenant qu'on voit ça avec un peu plus de recul, on dirait plutôt un chien. Un chien? L'homme attend son chien. Et le chien met le paquet dans la poubelle. Il n'y a ni poubelle ni paquet. Alors, il faut qu'on analyse ça de nouveau. Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est un chien et il a pissé cette nuit-là contre le poteau. Et dans un périmètre de 15 mètres, il y avait des traces de poils et d'acnumine. Clairement la présence d'un terrier. Ou d'un berger allemand. Ou d'un chien à poil clair en tout cas. Le chien avait poil clair. Ou jaune. De toutes les façons, il était très grand. Pas un chien qu'on envoie sur son vélo dans un panier. Ni un chien qu'on peut faire tenir dans un paquet vert. Ni dans un paquet qu'on peut faire rentrer dans une poubelle. Pas dans une poubelle comme celle qui sont accrochés au lampadaire. Le chien n'était donc pas dans le paquet qu'elle avait mis dans la poubelle. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquet? Et qu'est-ce qu'on fait si elle ne le dit pas? Elle ne le dira pas. Qu'elle ne veut pas mentir. Il y a quelque chose à cacher. Parce que ça fait des semaines. Ça fait des mois. Qu'elle n'a plus rien dit. Elle fait rouler une plume entre ses doigts. Elle regarde le tapis. Là où auparavant il y avait peut-être une tache. Peut-être qu'on devrait aller voir. Tu veux quoi? Ou alors, quelqu'un se rend sur le parking, il fourre sa main dans la poubelle et en ressort le papier, tout simplement. Oh, c'est trop risqué, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est vrai, hein, ça on ne sait pas. Et nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour récupérer le papier sans danger. Il ne s'agit pas seulement du bras arraché de la personne qui va récupérer le papier. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, les fenêtres des maisons alentour voleraient en éclats. Peut-être même tout le lotissement. Les gens qui se promènent sur le parking avec leurs chiens seraient déchiquetés. Ah ! Le couple d'amoureux dans la voiture. Ah ! L'homme en bras de chemise qui sort ses poubelles et qui regarde le ciel à ce moment-là pour voir s'il va pleuvoir. Ah ! La femme qui cherche ses clés de voiture à la lumière du lampadaire. Ah ! Le chat sous les buissons à la fuite des oiseaux. L'explosion les brasserait tous, avec tous les matériaux de construction imaginables, et les éparpillerait sur une surface de 500 mètres carrés. On ne peut pas prendre ce risque sans le matériel nécessaire. Mais la situation nous dépasse, parce que nous n'avons pas de matériel. On ne peut pas nous demander de nous débrouiller tout seul. Ni la cause, ni les services d'information, ni même nous-mêmes ne peuvent nous demander ça. Il y a un téléphone de permanence ouvert 24h/24. Et la personne de regarde sur un petit écran une émission sur un enfant qui a été dévoré par des crocodiles dans un parc de loisirs.
Parce qu'il achetait des bâtons et des pierres sans limite. La personne de garde, une petite sieste, parce qu'il est déjà tard. Bah, et si le téléphone de permanence se mettait à sonner, elle se réveillerait aussitôt. Oh, mais le téléphone de permanence brille comme la lumière vacillante de l'écran. Ce téléphone devrait sonner maintenant. Il faudrait qu'on appelle là-bas. Là, nous? Il faudrait qu'on les informe. Au service d'information? Ils ont pas de moyens. Ils ont l'équipement nécessaire. Ils envoient un commandant d'intervention avec l'équipement. Véhicule blindé, chien policier, détecteur de mine, arme de poing, et des casques, des gilets pare-balles, et même des psychologues pour la prise en charge des habitants au cas où ça tournerait mal. Tout ça, nous ne pouvons pas l'assurer nous-mêmes. Alors, on les prévient. On exige un commando d'intervention. Oh, j'ai encore jamais fait ça de ma vie. Quelque chose de grand comme ça. On s'y prend comment, en fait? On attrape le combiné et on dit... Est-ce qu'ils vont me croire si je dis ça avec la voix qui tremble? Ou plutôt, d'un ton calme. Est-ce qu'ils s'attendent de ce qu'on dise ça d'une voix calme? Quoi? Comment on ajuste? Quoi? Un commando d'intervention, s'il vous plaît. Comment on fait? On déclenche l'alarme pour lotissement, le commando d'intervention viendra lui-même. Mais après, ils vont l'emmener. Ils ne vont pas s'arrêter à la poubelle, ils vont évidemment emmener l'enfant. Ils vont emmener notre enfant. Si notre enfant représente un danger, si elle met des paquets verts dans les poubelles, il la branche à une prise électrique et il faut monter le courant jusqu'à ce qu'elle part. Elle ne parlera pas. Jusqu'à ce que le liquide lui sorte du corps, goutte à goutte. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ou bien c'est ce qu'on veut. Moi pas. Elle ne me pardonnerait jamais. Et un jour, elle reviendra. Et la renverront chez elle. Et elle ne nous aura jamais pardonné. Et elle se retrouvera à notre table. Avec un regard traumatisé. Éteint. Avec un couteau à beurre dans la main. La fourchette de poing prêt à piquer la viande. Avec une scie pour construire une petite cabane à oiseaux. On la retrouvera chez nous. Elle serait obligée de dormir à tour de rôle. Et si on ne fait rien? Tu veux dire, que se passe-t-il si on ne fait rien? Rien du tout. Si. Simplement, faisait comme si on n'avait rien vu. Exact, moi par exemple, j'ai rien vu du tout. Hein. C'est possible. On touillait la sauce rouge des pâtes dans une casserole et on n'a pas levé la tête. C'est pour ça qu'on n'a pas vu le moment où elle s'approche du lampadaire, le paquet sous bras et où elle tend la main pour faire disparaître le paquet dans le gouffre obscur de la poubelle. Donc on n'a rien vu. Et si ce soir tout le lotissement explose, ben, ce sera pas de notre faute. Hein. Elle a été tout simplement plus maligne que nous. Et puis, si le service d'information envoie le commando d'intervention, il se passera la même chose. Ils feront sauter la cité préventivement. Alors on ne fait rien. Le paquet vert, au clair de lune, tandis que tombe la rosée et que baisse la température, à côté des restes de sandwich au saucisson et des journaux d'information qui étaient encore bons il y a quelques minutes, entre des mouchoirs pleines de morphes qui contiennent des potentiels avec des traces d'ADN, posez là et rien ne se passe. Au petit jour, un employé des services de la voirie municipale s'approche. Il décroche la poubelle de sa fixation au poteau, balance le contenu dans le broyeur du camion poubelle, empoigne la barre de maintien, saute sur le marchepied, et le camion part, avec dans ses entrailles toujours le paquet vert à l'affût. Peut-être que le camion poubelle saute quand il s'engage sur l'artère principale. Peut-être que ça défonce la structure du pot et que ça paralyse la circulation pendant des heures. Peut-être que le camion poubelle explose en passant devant l'immeuble délabré du lotissement derrière la décharge. Peut-être que dans l'après-midi, un gigantesque nuage jaune s'élève et obscurcit le centre. Que là où il y avait la décharge avant, maintenant il n'y a plus qu'un cratère fumant. Peut-être qu'il ne se passe rien après tout. Alors on ne dit rien, on se retourne dans nos lits sans fermer l'œil de la nuit. Il se peut qu'un jour nous soyons brisés par le poids de cette faute. Nous sommes prêts à l'accepter pour elle. Il n'est pas dit qu'on ne fait rien pour elle. Sacrifice pour lequel nous ne devons entendre aucune reconnaissance. Au contraire. On fait ça pour elle, parce qu'on... Parce que quoi? Parce qu'on continue à croire que... Quoi? Qu'on espère que... Oui. On espère... On espère qu'il ne se passe rien. Exactement. Il faut aussi poser les questions sur les détails désagréables. Pour commencer,
faut gagner sa confiance. C'est pas ce qu'on a fait. Manquer la confiance. Cette chaude sensation de sûreté, de protection. L'odeur du lit. L'odeur des draps. Quand on entre le dimanche matin dans le lit des parents. C'est fini. C'était autrefois. Vous ressentez ça? Mais qu'est-ce qu'un enfant vient faire dans le lit de ses parents? Dans le lit du père. La confiance est empoisonnée. Posez des questions sur les détails désagréables. Elle dit qu'il ne faut pas s'en faire et que c'est juste une tâche. Mais comment peut-elle savoir ça? C'est juste une tâche. Ah bon? Elle a seulement dit qu'on n'avait pas à s'inquiéter. Étrange de penser comme ça à son âge. Ça peut tout vouloir dire. Tout! Ça peut vouloir dire qu'elle a rien à voir avec cette tâche et qu'elle ne se doute pas du risque que représente une tâche pareille. Ou alors, ça peut vouloir dire qu'elle n'a rien à voir avec cette tâche, mais qu'elle en connaît les risques et veut endormir notre vigilance pour nous nuire. Ou alors, c'est elle la cause de la tâche. Elle vous l'a cachée par peur des sanctions, mais elle est naïve. Elle ne se rend pas compte du risque que représente la tâche. Ou alors, elle n'est absolument pas naïve. Elle est tout à fait consciente du risque que représente une tâche pareille. Elle est la cause de la dite tâche. Et elle veut endormir votre vigilance pour vous nuire. On va faire maintenant. Vous écoutez quand elle dort. Des fois, on a la chance. Ils se trahissent pendant leur sommeil. Au début de l'après-midi, un grand nuage de fumée jaune s'élève à l'est de la ville. On a rapporté qu'une terrible explosion s'est produite dans la décharge. À cause de la forte chaleur, le gaz se serait accumulé dans les silos et aurait fini par prendre feu spontanément et provoquer une énorme explosion. L'effet de souffle aurait ouvert une grande fissure dans l'incinérateur et le feu s'est communiqué à tout état d'ordure. À l'est, le ciel s'est obscurci en prenant des reflets jaunes soufre et scintillent. Je suis sur le parking. Une main sur la hanche, l'autre sur la tête. Et je ne peux m'empêcher de regarder. La tête dans les épaules. Je suis plantée devant la télé où passent en boucle les images d'un vidéaste amateur. Je suis prise dans un embouteillage sur le pont. Au même moment, j'entends la nouvelle à la radio, puis j'entends les sirènes. Tu m'appelles pendant une réunion. Tu me dis de regarder par la fenêtre. Mais je dois d'abord remonter les stores parce que j'étais en train de projeter quelque chose sur le mur. À cause de la chaleur, je me suis endormi dans la chaise longue et je suis réveillé par le bruit des canadaires. Je suis en train de m'acheter un café dans un gobelet en papier et je me rends compte que je suis seule dans le magasin et qu'ils sont tous devant les vitres à regarder en l'air. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on aille au service d'information. Ils n'ont pas encore donné le nombre de victimes. Peut-être qu'il n'y a pas eu de victimes du tout. C'était juste des ordures, hein? Juste un peu d'ordures, non? Ils vont s'en rendre compte par eux-mêmes. Ils ne vont rien dire. Ils vont venir ici d'eux-mêmes. On n'a rien vu. On a touillé la sauce et on n'a pas levé la tête. Au-dessus de l'asphalte du parking, il y a de petites plumes de duvets éparses qui voltigent. Après coup. On se demande ce qu'on aurait pu faire autrement. Ce qu'on aurait dû faire autrement. Qui dit que ça aurait été mieux autrement? On a pourtant toujours tout fait comme il faut. Remplir les salières de la cuisine. Se couper les ongles. Retourner le compost. Changer les draps. Éditer précisément le des sachets à congeler. Mis du produit anti-fourmis. Oh! La nuit d'avant, comment on a crié? On n'aurait pas dû se lever. Elle n'a pas crié. Elle a sangloté. Je ne me suis pas levée. Tu ne t'es pas? En tout cas, je ne suis pas allée dans sa chambre. Moi non plus. Tu ne t'es pas levée? Je suis restée à sa porte. Qui était entrouverte. Je suis restée là, et j'ai écouté. Cette nuit-là, on aurait encore pu faire quelque chose. On aurait pu dormir. C'était la nuit d'avant.